Rebonjour. Et du coup on se retrouve dans la petite grotte des arts. Donc c'est les beaux-arts. Donc on avait tout cliqué, donc je suppose que on va partir par là. Non, on peut pas partir sans tout regarder. Comment ça, mais j'ai tout regardé moi. On n'a pas regardé quoi? On n'a pas regardé les tapis? On n'a pas regardé les pots? Il y a le truc de Slim ça? Mais genre, je sais pas où regarder moi. Ah, l'Irlande! Alors, si on pourrait bouger, si on pourrait bouger ces lumières, on pourrait voir au fond de la cave, mais on peut pas les attraper. D'ici. Je me demande si je pourrais les bouger un peu avec ma télékinésie. Putain, il est là. Putain, la gueule! Zephros? On dirait qu'il pousse. Est-ce que tu vas bien? Oh, j'ai une migraine maintenant que les... J'ai une migraine maintenant et les guirlandes n'ont pas bougé du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais oui! Ah, des femmes admirent la danse, mais personne n'est impressionné. Bah oui, c'est une bonne idée. Alors, mais non! Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai pas checké? J'ai des POG! Qu'est-ce que tu veux des POG? Comment ça, j'ai pas tout checké, j'ai regardé tout. Ah, nos cultures ont des trucs en commun après tout. Mais j'aimerais que ça soit des trucs différents. Mais il faut regarder quoi? Les tapis? Ah, les champignons. Ah, ces champignons sont gigantesques. Ta planète a des champignons? Ta planète a des champignons? Bien sûr! Quand j'étais petite, mon père m'a appris comment différencier les champignons, les plantes empoisonnées, les plantes du coup empoisonnées des plantes comestibles, là, au cas où je me perdais dans la cambrousse. Ouais, et maintenant te voilà! Ouais, mais. Tellement de fois vu tomber malade d'un des trucs qu'il a bouffé dans ses aventures que je suis plutôt sûr qu'il a tout inventé quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté de croire à peu près tout ce qu'il dit. La seule chose à laquelle il est supposé être bon, c'est faire du trekking à travers la cambrousse sauvage. Il a pas pu m'apprendre quel champignon c'est ok de bouffer quoi. Bah pas ceci en tout cas. Alors les viluisants, les champignons viluisants sont les fongiques les plus empoisonnés sur Alternia. Si tu en manges, ça va faire pourrir ton estomac. Quand tu les touches, ils vont laisser un résidu qui va te faire brûler sous la lumière de la lune, comme quand le soleil est là quoi. Et il est sorti. Oh non. Oh non. Oh non. Il y a ce autre champignon appelé le noble luisant. Le noble luisant finalement. Qui ressemble exactement à celui-ci, sauf que
Les giles, c'est les... Ouais, le capuchon ou alors la tige, enfin c'est l'un des deux qui a une mousse subtile qui grandit dans de l'eau et l'exacte direction opposée. La seule moyen de dire faire la différence entre les deux, c'est de se coucher sur le dos, en dessous du champignon, et regarder tes coordonnées globales pour être sûr que t'as le bon. Et tu pourrais pas juste le toucher pour voir si ça brûle? Ah, c'est vrai que t'as raison. Attends, je vais essayer. Non, c'est faux. Je déconne. Attends, dégage. Je croyais vraiment qu'il allait toucher. Ah, sûrement des... Ah, ce clé explorateur, j'ai tout fait, là. Ça pourrait être des obligations après tout. Est-ce que tu es sûr que tu veux pas me voir risquer... Est-ce que tu veux pas que je risque ma main pour vérifier? Xephro, je suis complètement sûr. Mais quoi? Je vais te péter la gueule. Je le barre. On est barre de toute mute. Il me casse les couilles, Zephros. Attends, je crois que j'ai vu quelque chose. Tada! Oh, il y a des cornes! Waouh, c'est vrai! Et du coup, ça servait à quoi de fouiller dans toute la cave? Tant de merde! On dirait pas que ça a attrapé des trucs, hein. Ou que ça va attraper quelque chose, je pense, à ce stade. Et putain, mais... Fait Xephro, c'est des enculés. Il ferait trop sombre si tu défonçais tous les mushrooms. Les petits mushrooms. Peut-être que vous pourriez faire briller encore plus les champignons. Ou alors avoir une migraine. Alors... Je peux pas balancer des pogs. Vous savez que ces trucs vont pas vous aider. Je sais pas du tout aller. Hein. Ouais, donc ça c'est... Mais je vais où? Est-ce que c'est là? Ah bah voilà! D'accord, donc il fallait vraiment trouver les cornes. Oula, j'en ai où là? Non, c'est chez Emily. Waouh, je pensais pas que la cave... La caverne... derrière la caverne, il y aurait une aussi petite ferme, quoi. Ah, cet endroit est adorable, peut-être que votre planète a des trucs bons ici, cool après tout. Ouais, alors, on devrait plutôt proche de la station suivante, donc si on peut traverser la forêt, là. Alors, les trains à longue distance locaux, ça s'arrête, enfin, les arrêts de train à longue distance locaux ont été réglés pendant 6 siècles pour être pour avoir une distance d'entre environ 8 capacioniteurs entre chaque. C'est à dire qu'on y arrive. Alors Xephro, je n'ai aucune idée de ce que cette unité de mesure quelle pourrait être l'équivalent de cette unité de mesure, quoi. Enfin bref, est-ce que c'est une sorte de d'api de ferme d'apicultrateur. Ah, les ruches, elles sont trop mignonnes. Mais elles sont où, les belles abeilles? On va marcher, on veut pas
On veut pas vraiment trop s'impliquer avec la vie privée de quiconque. Ah, ok. J'en ai rien à taper. C'est fermé. D'accord, très bien, merci. Au revoir là. Vous avez pas vu de scène depuis votre... Oula. Depuis votre dernier récital. Enfin, votre dernière danse, quoi, dans le spectacle de fin d'année. En junior high, c'est les... Enfin, c'est... Sûrement l'école primaire, ça, c'est connerie. Enfin, celle qui avait terminé, qui avait fini en feu. Mais genre vraiment en feu. Vous pouvez vraiment en parler. Attends, regarde pas dans le puits. Quoi, pourquoi? C'est rempli avec du... Ah oui, putain, le miel psychique. Avec des débris de... Enfin, des restes de miel psychique. Et des restes de miel psychique. Super dangereux, ça va brûler tes globes de vision. En dehors de tes trous de tête, si tu regardes. Oh mon dieu. Merci pour m'avoir averti, Xephros. Ah, j'aurais pu vraiment faire une grosse erreur. Ah ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Ah, c'est tellement compliqué qu'on dirait de l'art. On même pas essayer d'arriver à ça, supposer ce que c'est. Ça sent bon et un peu pourri, quoi. C'est la bonne direction, donc c'est définitivement là où vous avez besoin d'aller. Et les bois sont un peu sombres quand même. Joey, attends! Quoi? C'est quoi le problème? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Il y a des plantes qui bougent, qui sont anthropophages, il y a des papillons géants qui tirent des lasers de leur cul! Des arbres qui ont une grosse tête effrayante et qui utilisent leurs branches pour attaquer les voyageurs sans défense, les pauvres voyageurs sans défense, comme ce moment dans Blanche-Neige, là. Alors, ouais. Wow! C'est super, c'est bon, c'est ça. Ouais, t'es trop forte, t'es trop intelligente, Joey. tu te maïoles, là. Alors, non seulement tu as cette héritière complètement tarée sur un trône de l'espace là qui essaye de tuer tout le monde, mais vos arbres sont aussi en train d'essayer de tuer tout le monde. Et ouais. C'est lui. C'est la personnalité de notre planète. Hein. Mon dieu, mais cette planète, ça pue la mort. Comment est-ce qu'on traverse cette forêt? Quand le tétra d'un mec m'a fait passer donc dans des zones cheloues, pas pour du coup tester. C'est le test, c'est le baptême du feu, quoi. Comme baptême du feu de ma force intérieure. Tosquet de l'intervention. Or, il m'a frotté avec la merde de vertébrés. Donc je pouvais m'adapter à tout jet de la faune locale. C'est quoi? De la quoi? Ouais, alors. Je pense que c'est Yas, je sais pas. Pourquoi tu rugis? Enfin bref. En gros, si on s'applique. La merde de n'importe quelle créature, du coup, de la zone, enfin, là où on est, quoi. Ah, des carcasses d'abeilles écrasées, du fluide d'arachnide, enfin, ce genre de choses, truc, quoi. On a besoin de sentir comme la forêt. Dégueulasse. C'était un détour qui est tellement dégueulasse. Ouais, désolé de que t'es à faire avec, quoi. Ouais, de toute façon. On va regarder, alors. On va regarder s'il y a pas des trucs à s'engluer afin de passer à travers cette forêt sans se faire bouffer par des arbres géants, des insectes géants ou des trucs géants, quoi.
Ben voilà, c'est pas mal ça. Il y a du liquide ça. Ça ressemble un peu sucré. Du jus, du vin. Alors, quelle maison tu pignotes, mais la door est fermée. La porte est fermée, la door est fermée, oui. C'est fermé. On pourrait pas juste rentrer par effraction. Quoi ? Exéphro, c'est un crime ! Ouais, c'est bon, ça, le proprio, de toute façon, il va pas venir revenir avant longtemps. Ouais, mais c'est pas quand même pas cool. Ouais, c'est pas comme si on allait voler quoi que ce soit. On est juste regarder quelque chose pour nous aider à travers la forêt. Prends ce qu'on veut, et on se sort. Comme ce qu'on avait dans la cave. Mais comment on va à l'intérieur sans rien casser? Je veux pas ruiner la petite jolie maison de quelqu'un, quoi. Ah, je peux juste déverrouiller la porte avec mon esprit, quoi. C'est une serrure de technologie primitive. Donc même avec mes pouvoirs psychiques quoi, absolument nuls, on peut y arriver. Attends, t'es quoi? Les pouvoirs psychiques? Zéphro, attends. T'as des pouvoirs psychiques? Ouais. Oh mon dieu, c'est trop cool! Pourquoi tu me l'as pas dit? Les humains, vous avez pas ça? Les humains, vous avez pas ça? Mais non. Attends, est-ce que tout le monde sur cette planète a des pouvoirs psychiques? Non, 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 pas tout le monde, hein. Je pense que... Ils sont plutôt pas communs, en fait. Mais les Sambirgondes sont un peu plus respectifs au truc de l'esprit, donc... Faut trouver beaucoup de Gutterblood. De sang de bourbe. De merde, de sang de bourbe avec des pouvoirs télékinésiques un peu nuls, quoi. Comme moi. Bah, c'est quand même super cool. Mais non. Les pouvoirs télékinésiques des trolls sont super cool, peuvent tirer des lasers donner des ordres à des armées de fantômes et tout. En général, les sangs de jade, les sangs jade éradiquent ou indoctrinent à ceux qui... Et le vent avant qu'ils ils grandissent, quoi. Ceux qui ont les bons pouvoirs, Pokémon. J'ai juste un de ceux qui n'ont pas les bons pouvoirs, qui ont laissé... voilà. Eh bien, Xephros, pour quelqu'un qui vit sur une planète où les pouvoirs psychiques sont seulement dans Star Wars, ou dans les films d'horreur, etc., je pense... Les bises actuelles disent... Ah, je pense que t'es le top moumoute. Waouh! Je veux juste te voir ouvrir la serrure avec tes super pouvoirs de Jedi, de pouvoirs psychiques de Jedi, quoi. Ouais, attends. Change de personnage. Et utilise mes pouvoirs télékinésiques sur la porte. Putain, le quatrième mur, il est détruit. Ah, jamais une confiance que je ne peux pas questionner. Une confiance sans merde, on pourrait dire une confiance absolue. Voilà, une confiance absolue. On m'a jamais donné une confiance aussi absolue, quoi. Ok, alors, clic, ouh, ça devrait être ouvert là. Waouh, ça a marché en plus. C'est trop cool, Zephros. Je pense peut-être que tu me crois pas, mais moi, je crois en toi. mais c'est super, super cool. Ouais. T'as raison. Je crois pas du tout. Ouais. Alors, néanmoins, je trouve ça quand même chelou de d'entrer par effraction, quoi. Ouah, t'inquiète pas. Je suis sûr que le proprio va pas... Ça va pas déranger le proprio. Alors, je sais déjà qui est le proprio. Par contre, j'avais oublié qu'il y avait une... Oh là, c'est énorme. C'est une lampe.
Waouh, quelqu'un qui garde sa bouffe dans son truc de bouffe, incroyable. Attends, on va garder les jouets. Ah, c'est une lampe bizarre. Pourquoi est-ce que rien ne peut être normal? J'aime beaucoup les différences. C'est Xephros. Ah, c'est plutôt bien rempli, même si vous reconnaissez pas grand-chose. Hein. Ah, c'est super cool. Si vous êtes pas sûr que c'est pour la décoration ou pour quelque chose d'autre. Peut-être que c'est des herbes. Oh, un insecte. Un gros insecte dans une cage. Une cage d'insectes. Une cage pour les insectes. Non! On t'a pas le son en vrai pour eux. Juste pour moi. Ah, c'est comme l'un de ces cornucopiers à basket. C'est quoi cette merde encore? Ah, c'est panier quoi. C'est comme dans les spéciales de Thanksgiving quoi. Ouais, c'est bah, les spéciales Noël. Enfin, c'est les épisodes spéciaux quoi. Alors, il y a une sorte de science extraterrestre du miel qui se passe là-bas, et franchement, ça a l'air absolument impressionnant. C'est quoi ça? C'est un cerveau? Enfin, c'est plein de graines, donc vous tentez peut-être pas accéder, mais vous avez jamais vu ce que quoi ressemble à un vrai cerveau. J'espère que c'est pas plein de graines. Alors, vous avez faim, mais pas à ce point. C'est Xephros, alors. Et non, ok. Bah, du coup, on va voir la porte, hein. Non, mais dégage. Ah, ça va être une chambre. Hein. Là, on dort. Hein. La sleep station, la station pour dormir. La place de repos. Ça, sûrement, un nom bizarre, un peu bizarre. Pff, c'est bien que j'aime bien comment il bouge. Alors vous avez juste pas à rentrer dans une chambre spéciale qui est de la maison dans laquelle tu viens de t'introduire. Ton père t'a élevé mieux que ça. Bon, en fait non, il t'a pas élevé du tout, mais tu vas pas faire ça quand même. Est-ce que Xephros en a quelque chose à foutre? Absolument pas. Ah, ça peut être le bloc de repos. Tu ne rentres pas dedans. Ah, tu veux pas que t'es... Alors, attendez... On dirait qu'un accident a l'air de se passer. Vous êtes pas assez haut pour vous coller la tête que dedans. Mais vous l'évitez quand même. Ah, c'est cool. Ah oui, d'accord. Je suis censé faire quoi exactement? J'ai des pogs? Est-ce que tu crois que je peux pas? Ah! Oh! J'aurais dû faire ça sur le gros insecte! Alors, son nom scientifique c'est. Ami abeille. Trop mignon! On dirait qu'ils sont connus pour vomir quand ils sont excités, quand ils sont contents. On dirait le chat de votre babysitter. On dirait aussi Simon Jérémy. Moi, quand je suis content, je vomis. Je peux pas m'en occuper? Ah ouais. Ça a pas l'air les oiseaux. Et ça a l'air réciproque. Ah, c'est vrai que... Ses goûts en pog sont... Bah, qu'il aime pas les pog. Attends, je vais sortir de là. Ok, vous n'êtes pas allergique, vous n'avez pas touché à des ruches. Sont les abeilles. Merde, j'ai pas fait le machin. Excuse-moi, je suis quand même pas mal perdu. Putain, c'est ouvert, non?
Et tout ce miel a l'air différent de ce, que je, de ce à quoi je suis habitué sur Terre. Il y a un truc bizarre quand même. Alors je sais pas comment ça marche sur ta planète. Je sais pas comment ça marche sur ta planète, mais ici, bah les le miel psychique, ça sert de d'électricité pour le enfin tout. Ça met en marche toute l'électricité, donc c'est aussi une drogue techniquement. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. On peut pas se le foutre sur la gueule. Non, rien à foutre du miel. C'est doux, mais c'est aussi un peu un bout de craie. Vous savez jamais quand ça va vous exploser le cerveau. Vous pouvez pas vraiment toucher faire le bordel avec des choses que vous comprenez pas. J'avoue que là je suis un peu paumé. Alors, un guide pour la danse des abeilles. Et ces danses, est-ce que ces danses sont basées sur les abeilles ou pour les abeilles? Le monde ne saura jamais. Enfin, vous pouvez pas l'attraper, bah. Évidemment. Ouais, vous l'avez descendu. Ouais. Voilà. Vous feuilletez le livre. Waouh, c'est incroyable. Il y a plein, c'est un savoir infini sur comment déambulent les abeilles. Vous avez appris une nouvelle danse. Est-ce que je peux pas danser pour? Alors, vous dansez de tout votre cœur avec une superbe déhanché et vous finissez avec une pose triomphante. Mais cette grosse abeille, tout ce que cette grosse abeille fait, c'est vous cracher dessus. Ah là là, plus difficile. Waouh! Je savais pas que j'étais en compagnie d'une belle whipper. Une faucheuse des balais. Professionnel. Hé, merci. Je pense. Ouais, ta danse était super cool, mais pourquoi la gâcher sur sur un béotien de la culture comme moi. C'était pour l'abeille. Tu sais apprendre la danse des abeilles, la faire pour une abeille. Enfin, ça fait du sens quoi. Elle a pas l'air trop de l'aimer, mais je suis content que tu l'aies aimé. Ouais. Heureusement que mes globes de vision marchent parfaitement, quoi. Alors je suis sûr que ce Lusus de guêpe n'a pas répondu parce que tu es un putain d'alien qui ressemble comme si elle avait une maladie de peau et et dont les cornes étaient amputées au fait d'avoir des joues bien grasses comme une larve qui aurait dû être éradiquée. Ah putain, mais c'est super violent à la naissance dans les cavernes d'élevage. Merci. En fait, si ce Lusus a assez de stimulation visuelle, peut-être que ça déclencherait la vision qu'on veut, hein. Je suis désolé, je pense c'est juste mes pensées quoi. Enfin, je pense juste à voix haute quoi. Ça veut rien dire. Peut-être que tu devrais essayer de mettre des corps fausses cornes pour essayer de plus ressembler à un troll. Peut-être que la guêpe aimerait donc du coup ta danse pour utiliser les traffic cones, les cones de civilisation que j'ai ramassé. Ouais, super idée. C'est quoi qui ressemble à des cornes aussi? Enfin, c'est les trucs de cornes. Je pourrais utiliser ces cornes comme fausses cornes, quoi. Wow, c'est encore une meilleure idée. Oh mon dieu. J'ai plein de choix. Quelle décision de mutuelle et quelle corde devrais-je porter?
Alors des cônes ou des cornes? Ah, des cornes, évidemment. Ah, et voilà! Ah, cornucopieux disguise. Ah, d'accord, on doit choisir entre les deux et ça donne... Oh putain, j'ai l'air trop cool! Alors, comment ça, quoi ça ressemble? Ah, comme un vrai troll! Genre un vrai troll avec des... avec une... Oula! Ouais, un vrai troll avec une peau... avec des bactéries aux fausses de peau létales qui habitent leur porc, mais... Enfin, c'est plus comment tu penses. Incroyable! Attends, quoi? Est-ce que les formes des cornes ont une signification, genre comme l'horoscope? Ouais, un peu. Et ça veut dire quoi à propos de moi? Alors, je suppose que la taille brute donc de ces cornes et leur courbe robuste donne l'impression que tu as une vraiment grosse... vraiment dans un gros cœur. C'est exactement l'impression que je voulais donner. J'aurais essayé ma danse des abeilles. Mais avant ça... Ça fait à peu près 30 minutes qu'on tourne. Donc je vais arrêter là. Pour cette session d'enregistrement d'ailleurs. Donc En tout cas, j'espère que vous appréciez cet échantillon de la culture troll. Moi ça me fait rire, moi j'aime beaucoup. Moi pour l'instant, moi ça me plaît. Hein. Donc je vous dis du coup au prochain épisode. Et salut!